suis le responsable logistique à l'ICM ou le responsable des services communs. Ce qu'on appelle le service commun, c'est la laverie, le magasin, la réception et le courrier. Et donc, ma mission, en fait, je manage une équipe de 6 personnes, 6 agents, 3 agents de laverie, 3 agents de logistique. Et l'activité principale dans cette laverie, c'est principalement lavage, collecte de la vaisselle sale dans les laboratoires et plateformes, le lavage de la vaisselle et d'autres consommables de laboratoire pour les scientifiques, le conditionnement, la stérilisation, stérilisation des consommables et des milieux de culture, et l'approvisionnement ou ce qu'on appelle la distribution dans les labos et des plateformes. Je suis aussi responsable du magasin, c'est un autre métier, ça plutôt la partie logistique, où je manage un magasinier. Nous avons un magasin central au niveau des R-1, où la mission principale du magasin, c'est de servir, de vendre des consommables de laboratoire pour les scientifiques, tout ce qui est utilisé dans les laboratoires. Et je m'occupe aussi, je suis le responsable de la réception, ça, une autre partie de l'activité logistique à l'ICM. C'est une partie où on reçoit les colis, c'est une réception, un petit bureau où on reçoit nos colis. On fait à peu près une moyenne entre 900 et 1000 colis par mois. Je suis le responsable aussi du courrier au niveau de l'ICM où j'ai un agent de courrier qui s'occupe principalement de la gestion de courrier. Le but de ce service-là, c'est que le chercheur s'occupe vraiment de la recherche, que nos équipes à nous sont au service au quotidien de ces chercheurs.